Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, au Christ venu appeler tous les pécheurs, au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, qui intercède pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 19 à 22. Frères, maintenant, dans le Christ, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégré dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Thank you.
louons le Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. Permettez que je salue mon Seigneur Basile Dengon et mon Seigneur Madega, Mathieu Madega de Guantéon qui m'accompagne en ce jour et qui sont là depuis. Ils sont là bien avant cette ordination, présents dans ma vie, de séminaristes, de prêtres et aujourd'hui d'évêques. Et avec eux, Monseigneur Ruffin Ngoubou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, qui nous a rejoints aujourd'hui et qui va se réjouir avec nous pour cette action de grâce, ainsi que tous mes frères prêtres ici présents et vous, peuple de Dieu, petite portion de la paroisse Sainte-Barbe, Saint-Joseph-Sainte-Barbe de Mounana. Le Père Ajar qui nous accueille et à qui je dis merci, nous a dit que ce n'est pas encore la messe de toute la communauté, mais c'est déjà une Eucharistie et chacune de nos Eucharisties est une occasion pour dire merci au Seigneur pour tous ces bienfaits. J'étais déjà venu ici, n'est-ce pas? Après tout de suite, après l'ordination, hein, après la nomination, je suis venu ici et on a chanté, on a dansé, on a rendu grâce au Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous fait don de sa parole. Il nous fait don de sa parole, même temps que nous fêtons les apôtres Saint-Simon et Jude. Dans l'Évangile, nous a dit très peu, mais l'essentiel, même temps. L'Évangile nous a dit que ce sont des apôtres. Ce sont des apôtres. Et ils ont été choisis après une nuit de prière de Jésus, premièrement. Donc le Seigneur Jésus, avant de les choisir comme apôtres, c'est-à-dire envoyés, il a passé toute la nuit en prière. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, et chaque fois que Jésus doit faire quelque chose d'important, il se met d'abord en prière. Et là, pour les apôtres, ce n'est pas une heure qu'il a pris, ce n'est pas deux heures, il a pris une nuit de prière avant de choisir parmi ses disciples les apôtres. Il y avait un grand nombre de disciples, mais il en a choisi quelques-uns comme apôtres. La deuxième chose que nous dit l'Évangile aujourd'hui, c'est que les apôtres sont nombreux, mais quand on les cite, on commence par le nom de Pierre. Dans toutes les listes des apôtres que vous trouverez, dans les évangiles et hors évangiles, on commence toujours par Pierre. C'est important. Ce n'est pas pour rien que nous gardons une place privilégiée pour le pape, qui est le successeur de Pierre, et dans nos prières, et dans l'enseignement, nous écoutons ce qu'il nous dit pour nous affirmer. Ça vient de l'évangile. Aujourd'hui, l'Église que nous ont transmis l'image de l'Église, que nous ont transmise les apôtres, est d'abord une réalité qui naît de la volonté de Jésus lui-même, qui choisit des apôtres et qui les envoie. Et la première lecture que nous avons entendue nous dit que l'Église est fondée sur les apôtres. Donc, une question de fondation. Les fondations de l'Église, ce sont les apôtres. Le témoignage des apôtres qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont écouté les enseignements du Seigneur et qui nous les ont transmis dans la Bible, la parole de Dieu. Et donc, il n'y a pas de parole de Dieu sans l'action des apôtres. L'appel de Christ. Amen. Il y en a qui pensent que la Bible nous a été transmise en descendant du ciel. Non, elle nous a été transmise par les apôtres qui ont soigneusement recueilli les enseignements de Jésus et qui nous les ont transmis, qui nous les ont donnés à travers les siècles pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc la Bible est une réalité qui naît dans l'Église. Il n'y a pas d'un côté une interprétation, une compréhension de la Bible et de l'autre la vie de l'Église. Non,
C'est l'Église qui nous a donné la parole de Dieu parce que Jésus l'a confiée à ses apôtres. Et ils ont fidèlement gardé le contenu des enseignements de Jésus. Les fondations sont importantes, n'est-ce pas? Et lorsque nous venons à la foi, nous ne venons pas vers une idée, nous venons vers la personne de Jésus. Il est la pierre vivante. La pierre écartée par les hommes qui est devenue la pierre fondamentale, c'est-à-dire la pierre qui donne la forme à la maison construite, à la maison qu'est l'Église. C'est le Christ qui lui donne sa forme. Et donc, c'est la pierre la plus importante de la maison. Mais les fondations, donc unies à cette pierre, ce sont les apôtres. Frères et sœurs, aujourd'hui, alors que nous fêtons ces apôtres, le Seigneur nous dit combien les apôtres et leurs successeurs sont importants dans la transmission de l'Évangile. Ainsi donc, nous sommes appelés nous aussi à devenir des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Donc l'Église, c'est chacun de nous. L'Église, ce ne sont pas seulement les évêques, ce ne sont pas seulement les prêtres, c'est bien chacun de nous. Pourquoi? Parce que dans la première lettre de Saint-Pierre apôtre que nous avons entendue, il est dit que nous sommes des pierres vivantes. Et donc plus que les murs que nous voyons, c'est nous qui constituons l'Église. Et de cette Église, les apôtres sont les fondations avec le Christ comme pierre fondamentale. Alors, nous avons donc été choisis, nous sommes devenus une race choisie, une nation sainte, un sacerdoce royal. Tous ces titres que nous méritons, eh bien, ils nous sont parvenus, nous ont été acquis par le Christ, mais en même temps par ceux qui fidèlement au long des siècles ont tout fait pour que nous soyons, nous aussi, des témoins de Christ, que nous soyons nous aussi des membres à part entière, comme des pierres vivantes. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus priait. Et en nous disant combien était importante la prière de Jésus, le Seigneur nous invite à le faire également lorsque nous devons faire un choix. Lorsque nous avons à décider, à prendre des résolutions, à prendre un chemin pour notre vie, eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Contempler Jésus qui prie pour être illuminé intérieurement. Voilà donc pourquoi je vous invite à demeurer dans la prière, là où nous rencontrons le Seigneur, là où l'Esprit Saint parle, là où l'Esprit Saint répand l'amour dans nos cœurs. Voilà le rôle de l'Esprit Saint. Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Plus nous prierons, plus nous serons remplis d'Esprit Saint qui répand l'amour dans nos cœurs. C'est ce que je souhaite à cette petite communauté. C'est ce que je souhaite à notre diocèse, que nous prions et que le Seigneur nous donne l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint réponde l'amour de Dieu dans nos cœurs, que nous vivions dans la solidarité, que nous vivions dans la charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Thank you.
Monseigneur Mathieu Madégal et Barquéon, Monseigneur Basile V. Engol, prêtres, religieux et religieuses, demandés par Monsieur et Madame Zachary Liboto, pour l'intercession des saints Simon et Jude, que le Seigneur accorde grâce et bénédiction sur toute la famille d'Engue, spécialement Arnaud pour le bon déroulement de son mariage. Pour les défunts des familles présentes à cette messe, notamment Hélène Michele, épouse Vicassa, Hugues Jonas Letamba, Daniel Moubina, Sébastien Yola Wada, Ted Monjoukou Yola, Idriss Bangabou, demandé par la famille Miboto. Monsieur et Madame Komila, prie pour le repos des âmes de Monseigneur Félicien Makwaka, Monseigneur Molibonzo Kena, Elisabeth Noël Mwa, Jean-Claude Makita, Willy Duntung et Yann Honoré Yumunene. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toutes les vies. Pour la gloire et le Saint-Monde. En prenant la gloire éternelle de l'apôtre Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières, fais-nous participer dignement à cette Eucharistie. Par le Christ notre Seigneur. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Oh, 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 oh
Que tu sois celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Que tu sois celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 Hosanna. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort du Souviens-toi, Seigneur, que ton Église est répandue à travers le monde et a grandi dans ta sainteté avec le pape François, notre évêque et frère, mon Seigneur.
Dieu qui est là, et tous les élèves du Gabon, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la cité. Souviens-toi, Seigneur, de Binas Mondouda, en ce 9e anniversaire de décès. Souviens-toi aussi de Félicien Patrice, de Timothée, de Noël, de Jean-Claude, de Willy, de Honoré, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans le nom de ton Fils et tu les avais admis au service de ton autel. Accueille-les dans ton royaume. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une manière toute particulière, l'évêque Mouké-Koumikassa, Hugues Jonas Letaba, Daniel Moukinda, Sébastien Yola Ouata, Manjungu Yola, Idriss Bangabou, et tous les défunts des amis, des parents et connaissances ici présents et de toutes nos familles respectives. Souviens-toi aussi les hommes du purgatoire, tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçoivent en tant que sur tous, enfin, d'une manière toute particulière et extraordinaire sur notre frère et frère, sur la famille Ndengue, sur la famille Komina et la famille Koto qui ont demandé ces messes, et sur toutes les personnes ici présentes, sur notre école, avec ses enseignants, les élèves, sur toutes les personnes qui se recommandent à notre prière. Pour toutes les intentions particulières de son Excellence, Monseigneur, et frère ici, relativement à son décès et à son ministère, nous implorons d'aventure. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, celle de son époux, avec les apôtres, spécialement Simon et Jude, les saints dont nous portons les noms des saints de tous les temps, spécialement Sainte-Barbe, dont c'est le patronyme, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons parlé à la vie éternelle que nous chantions ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parmi avec prière en lui. Dans mes toujours cette paix, c'est ton huile à merveille, c'est parfait,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Amen.
Thank you.